Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette retransmission du conseil municipal et bienvenue aux élus du conseil municipal. Nous sommes désolés de ce démarrage tardif, mais nous avons rencontré juste avant 16 h un problème informatique à l'hôtel de ville qui a entraîné une interruption de la connexion Internet pendant quelques dizaines de minutes. Le problème est maintenant réglé, donc nous pouvons démarrer ce conseil municipal donc à distance, qui, comme vous le constatez, donc, est retransmis en direct sur les réseaux sociaux et les sites Internet de la ville de Nancy. Je veux évidemment, avant de passer à l'ordre du jour, vous dire quelques mots en ouverture relatifs à la situation sanitaire et à l'ensemble de ses conséquences sur la vie de la cité. Nous avons tous pris acte de l'allègement des mesures sanitaires que le Premier ministre a indiqué la semaine dernière et par la levée des jauges permettant ainsi le retour à un certain nombre d'activités. Je propose d'ailleurs que, sous réserve que cette normalisation se poursuive, nous puissions reprendre nos conseils municipaux à l'hôtel de ville, dans les grands salons, dès la prochaine réunion du mois de février. Bien sûr que ces allègements sont accueillis avec intérêt, soulagement, parfois plaisir. Il faut aussi que ceci soit parfaitement corrélé à la situation sanitaire et à son évolution, et nous mesurons que les perspectives sont encore à ce jour incertaines, même si nous espérons tous vivement que nous pourrons voir le bout du tunnel prochainement. À l'échelle de notre région, nous n'y sommes pas encore. La courbe reste en augmentation exponentielle dans le Grand Est. Nous avons atteint un taux d'incidence record de 3 180 dans le Grand Nancy. Nous espérons atteindre le pic, mais il n'est a priori pas encore atteint. L'incidence sur l'hôpital est forte, même si elle se stabilise, voire se régresse légèrement, mais elle reste très forte puisque aujourd'hui ce sont 110 patients pris en charge au sein du CHRU de Nancy, avec une pression qui a un peu décru sur les lits de réanimation, ce qui est un signe favorable puisqu'il permet notamment à des opérations qui ont été déprogrammées de reprendre. Nous poursuivons évidemment les efforts de la ville, comme ceux de la métropole, de toutes les communes du Grand Nancy, en lien avec les pouvoirs publics, pour favoriser l'accès de tous à la vaccination et au dépistage. Je pense notamment à l'hôtel de ville de Nancy, qui, vous le savez, par l'entrée de la rue Pierre-Fourier, vous accueille pour vous faire vacciner, par l'entrée place Stanislas vous accueille pour le dépistage, les centres de dépistage et de vaccination qui sont présents sur tout le territoire du Grand Nancy. Je voudrais aussi attirer votre attention sur Superman, le centre de vaccination des 5-11 ans qui est installé au Muséum Aquarium de Nancy et qui entrait par le parc Gaudron, par le jardin Gaudron, qui permet aux enfants de 5 à 11 ans d'être vaccinés dans un environnement le moins anxiogène et le plus protecteur possible. Et je veux à cet instant adresser des remerciements appuyés à toutes les équipes du CHRU, des libéraux du CPTS du Grand Nancy, aux sapeurs-pompiers du SDIS, évidemment, même si l'activité approuvée s'est arrêtée il y a quelques jours, aux équipes de la protection civile, aux agents des collectivités, de la ville, de la métropole, de l'éducation nationale, bien sûr, pour leur appui. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que la ville de Nancy, vous le savez, s'est engagée dans une opération à grande échelle de dépistage régulier des 8 000 élèves du premier degré de notre ville, qu'ils soient scolarisés dans les écoles publiques ou privées sous contrat. C'est une opération à grande ampleur que nous conduisons avec le CHRU, que je remercie vivement de sa participation, qui permet de dépister très régulièrement l'ensemble des élèves sans attendre la survenue de cas qui parfois engendrent évidemment des difficultés, et il y en a de nombreuses aujourd'hui. 31 classes dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Nancy sont fermées
à ce jour. Nous avons mis en place à Gentilly, au centre Paul Friedrich, un accueil pour les enfants des personnels prioritaires qui permet chaque jour de recevoir une dizaine d'enfants dont les parents sont évidemment tenus d'aller travailler, dizaines d'enfants dont les classes sont fermées. J'ai aussi une pensée pour nos personnels. Nous avons aujourd'hui 100 personnels qui travaillent dans les écoles de la ville absents. Près de la moitié le sont pour des raisons d'être des cas positifs au Covid. Nous sommes encore en capacité d'assurer les services périscolaires. Si le nombre continue à augmenter, nous devrons évidemment envisager de modifier notamment l'organisation avec le service de repas pique-nique à la place des repas, ce qui n'est pas le cas pour l'instant dans les écoles les plus touchées. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, c'est parce que le nombre de classes fermées permet de redéployer du personnel pour nécessité absolue de service sur les sites où cela est nécessaire. Mais bien sûr que nous nous approchons là d'un seuil au-delà duquel des mesures plus importantes devront être prises. Et je remercie vraiment les personnels de la ville de Nancy et les personnels de l'éducation nationale, évidemment, de leur engagement, de leur investissement et puis de leur adaptation à ces évolutions très régulières de la situation sanitaire. Je veux aussi, Nadège Nicolas y reviendra dans un instant, saluer les équipes qui ont participé à cette année zéro de la Nuit de la Solidarité pour la ville de Nancy, une édition test le 20 janvier au soir qui a mobilisé avec les élus volontaires et tous les conseillers municipaux y avaient été associés, le CCAS, l'ARS, et nous y reviendrons puisque c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un recensement exhaustif du nombre de personnes sans abri présents sur notre ville et de continuer à mieux les accompagner. Nous allons, durant ce conseil, nous y reviendrons poser les bases d'un projet important pour la ville avec la création du service municipal de la petite enfance qui va nous permettre de continuer à poursuivre ce projet de continuum éducatif entre 0 et 18 ans en cohérence entre l'ensemble des interventions de la ville qui sont aujourd'hui disséminées entre la ville et le CCAS. C'est un projet qui participe aussi de la refonte de l'administration de la ville de Nancy, un chantier lourd, nécessaire, qui est porté depuis un an dans le cadre du déploiement du projet municipal. Je voudrais terminer enfin mon propos vous disant un mot des samedis et des week-ends à Nancy. Vous avez noté que le centre-ville est particulièrement affecté par des manifestations régulières et parfois violentes organisées dans le cadre de la contestation de la vaccination ou du pass sanitaire ou maintenant du pass vaccinal. J'ai été amené avec la CCI, les vitrines de Nancy, l'UDP et les commerçants, leurs associations, à rencontrer le préfet de Meurthe-et-Moselle la semaine dernière pour lui demander avec beaucoup de force que soit mis un terme à ce désordre organisé chaque week-end. Je refuse, comme vous, que le centre-ville de Nancy devienne un théâtre d'opération pour des groupuscules dont l'objectif n'est pas de contester la politique du gouvernement, mais d'aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre, ce qui est tout à fait différent. Oui à la liberté d'expression, oui aussi à la tranquillité de celles et ceux qui veulent pouvoir déambuler, se promener, faire des achats, profiter de la nature et de la culture au cœur de la ville chaque week-end. Il faut que celles et ceux qui organisent ces manifestations comprennent qu'ils ont aussi la responsabilité de veiller à ce que celles-ci se passent bien. Alors ce week-end, le préfet, et je m'en félicite, n'a pas validé le parcours des organisateurs. Cela a entraîné un rassemblement statique sur la place Maginot. J'espère que ces habitudes de meilleur respect entre les différents protagonistes du centre-ville vont maintenant s'inscrire dans la durée. Et je serai particulièrement attentif, notamment le week-end prochain, à la situation compte tenu de l'appel interrégional à se rassembler à Nancy. Il faut que notre centre-ville soit préservé du désordre et nous devons tous y contribuer.
Bienvenue, pour terminer d'un mot, à Sarah Polacci, la nouvelle commissaire générale du Livre sur la Place, qui a rejoint la ville de Nancy il y a quelques semaines, et qui a donc la lourde responsabilité maintenant d'organiser le Livre sur la Place, notamment en cette année du bicentenaire de la naissance d'Edmond de Goncourt. C'est sous le signe d'Edmond de Goncourt et de l'Académie Goncourt que le Livre sur la Place 2022 sera placé, et je remercie par la même occasion Françoise Rossineau, qui a beaucoup contribué depuis le mois de septembre dernier à accompagner cette transition et à préparer évidemment cette session en lien avec l'Académie Goncourt, cette édition exceptionnelle du Livre sur la Place 2022, que nous nous réjouissons toutes et tous par avance de voir se mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement à l'ouverture de nos travaux. J'ai procédé à l'appel des élus et ensuite nous entamerons l'ordre du jour. Isabelle Lucas. Présente. Franck Muraté. Présent. Muriel Colombo. Présente. Bertrand Masson. Présent. Estelle Mercier. Présente. Laura Ilmaz. Véronique Billot. Présente. Laurent Vatrin. Présent. Charlotte Marel. Présente. Areski Sadi. Présent, bonjour tout le monde. Marianne Birk. Présente. Frédéric Maguin. Présent. Patricia Daguerre-Jacques. Présente. Pardon, Lionel Adam. Présent. Véronique Ernest. Présente. Antoine Le Soleuse. Nadège. J'ai son pouvoir. Oui, alors c'est ce que j'étais en train de chercher les pouvoirs. Je ne les ai pas sous les yeux, mais bon. Je vous les ai réindiqués tout à l'heure. Donc, Antoine Le Soleuse, absent. Nadège Nicolas. Présente. Marc Tenenbaum. Présent. Evelyne Baudeux. Présente. Serge Rennery. Présent. Thomas Souverain. Ils sont au pouvoir en attendant qu'il arrive. Est-ce que merci. Oui, voilà, ça y est, j'ai récupéré ma liste de pouvoirs. Donc, ceux que j'ai appelé jusque-là, Bora Ilmaz a donné pouvoir à Laurent Witt, Antoine Le Soleux jusqu'à son arrivée à Frédéric Maguin, Nicole Creusot jusqu'à son arrivée à Bertrand Masson. Ensuite, oui, je suis présente, monsieur le maire. C'est formidable. Donc, Thomas Souverain jusqu'à son arrivée à Estelle Mercier. Annette Mathieu. Présente. Patrick Hatzik jusqu'à son arrivée à Isabelle Lucas. Mais je suis arrivé, ça y est. Mais il est arrivé, c'est parfait. Chantal Fink. Présente. Fatia Rabi a donné pouvoir à Christelle Gendric. Chahine Eskirouni. Présente. Ousmane Samb. Présent. Mohamed El Ghazili. Présent. Christelle Gendric. Présente. Ossine Chabira, pouvoir à Bertrand Masson. Delphine Michel. Présente. Arnaud Bernays. Présent. Mounir El Aradi, pouvoir jusqu'à son arrivée à Lionel Adam. Présent, je viens d'arriver. Très bien. Muriel Boilon. Présente. Chloé Blandin. Présente. Jean Thomasin. Présent. Laurent Perrin. Présent. Arnaud Crémer. Présent. Laurent Witt. Présente. Sabrina Benoustar. Présente. Daman Richter. Présent. Olivier Rouillet a donné pouvoir à Sophie Mailleux. Sophie Mailleux. Présente. Daniel Noël. Présente. Michel Fick. Présent. Malika Dati. Présente. Valérie. Présente. Laurent Hénard a donné pouvoir jusqu'à son arrivée à Michel Fick. Valérie Debord. Présente. Philippe Guimard. Présent. Anne-Sophie Didelot. Présente. Carole Grandjean. Présente. Romain Guillonnet. Romain Pironnet, pardon, excusez-moi. Romain Pironnet est présent. Merci. Nous passons donc à
l'ordre du jour de notre conseil. Je vais proposer à Maurent Perrin, s'il le veut bien, de faire le secrétariat de la séance. Pas de souci. Merci. Y a-t-il des observations relatives au procès-verbal du 6 décembre 2021 ? Non, je n'en vois pas. Donc, très bien. Et y a-t-il des observations relatives aux décisions prises en application du L21-22-22 du CGCT, les décisions du maire ? Je n'en vois pas non plus. Vous vous souvenez que nous voterons avec l'application dont vous avez maintenant l'habitude, vous avez reçu les codes plus tôt dans la matinée, l'application Votebox. Et je passe la parole pour le premier rapport à Nadège Nicolas et Muriel Colombo qui vont nous faire un rapport d'information sur le plan d'hiver et l'accueil des précaires et le village de l'insertion. Nadège, vas-y. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. La lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté est une priorité du mandat municipal. Je vous propose un point des actions entreprises ces derniers mois, ainsi qu'un focus plus spécifique sur les actions mises en œuvre pendant la période hivernale. La ville de Nancy initie des démarches et des projets au service des habitants fragilisés et ou éloignés des dispositifs régaliens, en s'appuyant sur l'expression de leurs besoins et sur l'expérience de nos partenaires associatifs. Les actions mises en œuvre concernent tous les types de publics. Tout d'abord, les aînés. Après deux confinements imposés à la population par la crise sanitaire, la municipalité a décidé d'agir face à la diminution de l'activité physique et à l'isolement subi par une partie de la population. Le confinement a en effet aggravé pour les personnes fragiles le risque de perte de mobilité, le risque de perte d'autonomie et a pu nuire à la santé mentale. Le maintien d'une activité physique est souvent recommandé aux seniors, même quelques pas par jour. Elle permet à chacun de préserver son capital santé, sa forme physique et psychologique et prévenir l'apparition de certaines maladies. Sous l'impulsion de Marc Tenenbaum, un plan banc a été officiellement lancé à Nancy cet été, basé sur les avis des habitants témoignés lors des ateliers de vie de quartier et sur le recensement de suggestions de plus de 500 seniors. Environ 200 bancs ou chaises ont été installés en voirie dans tous les quartiers de la ville. Que ce soit pour des déplacements quotidiens ou même des balades, l'installation de 100 assises chaque année contribue au bien-être de tous. C'est aussi dans cette idée d'aller vers les autres que nous travaillons avec Muriel Boyon à faire en sorte que les 5 résidences autonomie du CCAS deviennent des tiers-lieux ouverts sur leur quartier, permettant aux citoyens de participer à des activités en lien avec les seniors. Concernant les personnes en situation de handicap, une salle de change a été inaugurée le 20 décembre dernier à l'intention des personnes porteuses de handicap ou empêchées. Ce projet, fruit du budget participatif, dans toute sa construction et son équipement technique a fait l'objet d'une concertation avec les acteurs associatifs et institutionnels qui œuvrent dans le champ du handicap sur le territoire et ce projet a été supervisé par Arnaud Crémer. Ce dispositif expérimental, dont seulement 2 villes de France disposent, Nancy et Arras, est une vraie opportunité Nadège. Il n'y a que moi qui ai perdu Nadège ou c'est Nadège qui a disparu ? Non, Nadège a disparu. Elle a perdu, oui. Ouais. Bon, elle va revenir. Muriel, tu veux bien, en attendant que Nadège revienne, aller sur le village de l'insertion, peut-être ? Oui, merci beaucoup. Effectivement, nous souhaitions vous parler du village de l'insertion. Vous savez, le 20 janvier, nous avons inauguré le village de l'insertion, projet porté par le Socion Accueil et Réinsertion Sociale, en lien avec la métropole du Grand Nancy et les services de l'État. Ce projet est la concrétisation d'une approche innovante en prise avec la réalité du terrain.
Pour rappel, cela fait suite à l'étude Errance urbaine qui a été menée par le sociologue Thibaut Bézozzi, pour lesquelles le CCAS de la ville de Nancy a été également partie prenante. Il s'agissait donc de mieux comprendre les publics, les grands marginaux, chroniquement ou durablement, à la rue, qui ne recourent pas ou très partiellement aux dispositifs d'urgence sociale et d'hébergement pourtant mis à leur disposition. Ce village de l'insertion peut accueillir jusqu'à 15 personnes dans 10 habitats individuels constitués de 8 modulaires et de 2 caravanes, et également d'un dortoir collectif pouvant accueillir 5 places maximum, et compte également un espace de cuisine, de réfectoire, une buanderie ainsi que 2 espaces de bureaux. L'aménagement d'une zone collective, qu'aujourd'hui appelée la place du village, mais là aussi nous verrons comment ce lieu de vie évolue, sera proposé aux habitants avec un maximum de marge d'appropriation de l'espace. Cet espace de vie, fondé sur le principe de l'hébergement inconditionnel, à haut seuil de tolérance, ouvert 24 heures sur 24, et sans durée ni limite dans le temps qui répond à la démarche de l'allée vert, les animaux sont par ailleurs autorisés sur le site. Vous le savez, c'est un facteur très important d'inclusion pour les personnes sans abri. Ces personnes hébergées bénéficieront d'un accompagnement qui répond aux besoins tels que des consultations médicales et psychologiques ou encore une aide à la lutte contre les addictions et également une aide à l'insertion pour l'emploi. Il intègre une intervention pluridisciplinaire et personnalisée afin de leur proposer des réponses à des problématiques multiples et repose sur de nombreux partenariats. Nadège Nicolas l'a dit tout à l'heure, c'est une priorité pour nous, élus de Nancy. Nous nous sommes engagés et ce que nous souhaitons, c'est qu'à terme, ces personnes sortent de la grande précarité à laquelle elles sont confrontées. Bien évidemment, ce travail est un travail de co-constructeur et de travail de collaboration avec l'ensemble des acteurs associatifs. Je ne sais pas si nous avons retrouvé Nadège. Je crois qu'elle est revenue. Merci Muriel. Nadège, est-ce que tu es de retour? Je l'ai vue dans la salle d'attente, mais non, visiblement. Nous avons une connexion capricieuse aujourd'hui. Nadège, non, quelqu'un peut me préciser si elle est là ou pas. Bon, écoutez, on va ouvrir la discussion en attendant qu'elle puisse revenir. Valérie Jura a demandé la parole. Je lui passe tout de suite. Oui, c'est très impoli d'intervenir dans ces conditions, mais je vais quand même le faire. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Vous avez souhaité, sur l'exemple parisien, déployer la nuit de la solidarité vendredi soir dernier. Notre groupe adhère bien évidemment à cette initiative qui permet de sensibiliser et mobiliser le plus largement possible autour de la lutte contre la grande exclusion. Si nous regrettons vivement que cette première édition n'ait pas pris une tonalité plus participative, plus citoyenne, Covid oblige, cet événement, avant tout médiatique, a à nos yeux le mérite de s'inscrire dans une dynamique partenariale forte, initiée en 2017 autour de l'étude Errance, Madame Colombo vient d'en parler, lancée par l'association ARS, l'État, les collectivités, avec l'appui de l'Université Lorraine. Dans les suites de cette étude, en 2019, 3 grandes familles de préconisations avaient été présentées en conseil municipal pour une mise en œuvre rapide. La première, tout d'abord, initier une dynamique associative forte autour du dispositif du logement d'abord, dans la suite du plan quinquennal lancé par le gouvernement pour répondre à la persistance du sans-abrisme en France. Un point d'étape a été réalisé vendredi matin en présence du DIAL, le délégué interministériel Sylvain Mathieu. On constate que les volontés associatives sur notre territoire sont fortes et qu'elles ont notamment participé à la reconnaissance de la métropole comme territoire d'expérimentation du logement d'abord. La deuxième préconisation consistait en la création d'un village d'insertion. Madame Colombo vient de le présenter. Inutile de vous dire que ce projet qui a été mené en 3 ans, de 2019 à 2022, nous partageons bien sûr la satisfaction
collective, de le voir à ce jour opérationnel. Il recevra ses premiers usagers dans les prochaines heures. C'est dire si ce projet a été mené rapidement. Les équipes de l'ARS, évidemment, doivent en être félicitées. Le financement vient de l'État et le terrain, effectivement, a été mis à disposition par la métropole. Reste la préconisation la plus importante, le projet de déménagement et de réaménagement de l'accueil de jour, qui connaît depuis quelques mois des aléas inquiétants. Reconfigurer le 32 rue Sainte-Anne, reconfigurer ce dispositif de première ligne, c'est un projet essentiel pour améliorer l'accompagnement des publics les plus fragiles de notre territoire. C'est un projet prioritaire pour garantir une action efficace des acteurs qui œuvrent dans la lutte contre la grande précarité. C'est pourquoi notre groupe forme le vœu vigoureux qu'une attention particulière et un soutien efficace et offensif soit accordé à ce projet indispensable pour notre ville et pour les publics, hommes et femmes, les plus fragiles de notre territoire. Merci. Merci. Alors, est-ce que Nadège Nicolas est de retour parmi nous ? Non, je ne crois pas. Donc, quelques éléments. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, remarques ? Non plus. Alors, quelques éléments peut-être pour conclure cette première délibération, cette première information. D'abord, je voudrais dire la mobilisation pleine et entière de la ville depuis le début du retour de la saison hivernale. Nous avions l'année dernière d'ores et déjà mis à disposition de l'État 51 places supplémentaires pour accueillir les sans-abri en période de grand froid sur le site dit de l'ex-maison du vélo. Cette mise à disposition a été reconduite pour l'hiver 2021-2022, ce qui constitue une réponse indispensable compte tenu du nombre de personnes sans-abri et en errance qui ne pouvaient être jusque-là prises en charge par les périodes de grand froid, compte tenu de la saturation, évidemment, des dispositifs du 115. C'est donc une étape importante dans l'amélioration des conditions de prise en charge des sans-abri. Vous êtes revenus les unes et les autres, Muriel Colombo a remis en perspective le village de l'insertion, qui est un engagement important que nous avons concrétisé dans des délais rapides, en mettant à disposition, dans une collaboration active entre la métropole du Grand Nancy, la ville de Nancy et l'ARS, un espace adapté pour permettre à des personnes qui sont parfois dans la rue et décrochées depuis de très nombreuses années, de retrouver le chemin, non pas seulement de l'hébergement, mais du logement, puisque la question du logement est une question qui est évidemment beaucoup plus large que la question de l'hébergement et de l'hébergement d'urgence. Il s'agit de permettre à des femmes et à des hommes de retrouver la dignité à travers l'autonomie de leur logement, la capacité à prendre soin d'eux-mêmes et de se reconstruire socialement sur le plan sanitaire et pourquoi pas sur le plan aussi du retour à l'insertion professionnelle, même si ce chemin est parfois long. Et je voudrais, par cette occasion, saluer l'engagement des travailleurs sociaux de l'ARS, qui sont au quotidien sur le terrain de jour comme de nuit, et les élus qui ont pris part à la Nuit de la Solidarité ont pu s'en apercevoir dans des conditions parfois difficiles auprès des sans-abri, auprès des personnes en errance, pour essayer de les accompagner sur le chemin de l'accès à l'alimentation, au sevrage, à l'hébergement, à la prise en charge de leurs problèmes de santé. Bref, ces chemins souvent escarpés, mais qui sont indispensables. Faire Nancy, c'est aussi faire une ville à la fois bienveillante, accessible et attentive à chacune et à chacun. La Nuit de la Solidarité, là aussi, nous avons franchi une étape et nous avons souhaité le faire à la fois dans un contexte de crise sanitaire et à la fois dans un contexte d'année zéro, de mobilisation des élus en lien avec l'ARS,
pour permettre le recensement le plus large possible des personnes en errance. Je voudrais aussi souligner que cette opération s'est déroulée en dehors de la présence de tout journaliste pour permettre aussi, évidemment, le respect dû à chacune et à chacun. C'est donc une opération d'engagement et je remercie les élus de la majorité, puisqu'aucun élu du groupe d'opposition n'était disponible ce soir-là, d'avoir pris part à cet engagement, d'avoir pris part à cette mobilisation. Et j'espère que les conditions sanitaires permettront en 2023 d'organiser une édition qui mobilisera largement les citoyennes et les citoyens. Beaucoup d'ailleurs se sont portés déjà spontanément volontaires pour accompagner les associations et la municipalité dans ce travail. Et puis, il va de soi, pour conclure, que nous sommes extrêmement attentifs à l'ensemble des espaces disponibles pour accompagner les efforts des associations caritatives, humanitaires et de solidarité qui sont nombreuses et qui agissent chaque jour dans l'aide alimentaire, l'accompagnement des familles monoparentales, l'aide au transport, la prise en charge, l'hébergement, le soin, la santé. Et l'ARS étant évidemment le navire amiral depuis longtemps sur notre territoire en tant qu'opérateur de l'État pour l'accueil et l'accompagnement des personnes en errance. Les lieux sont évidemment à la fois peu nombreux, mais il est indispensable de les mobiliser en priorité. Nous avons fait une proposition d'ailleurs qui a été travaillée très précisément, je le crois, par les services de l'ARS en proposant dans la stricte continuité géographique du 32 de la rue Sainte-Anne la mise à disposition des anciens bains-douches de la rue Saint-Nicolas. Cette proposition n'a pas été retenue par l'association et nous continuerons à travailler avec elle dans l'espoir qu'une solution permettant d'agrandir l'offre d'accueil aujourd'hui du 32 de la rue Sainte-Anne puisse être rapidement trouvée. Et en tout cas, la ville de Nancy, comme la métropole, sera, comme elle l'est depuis plusieurs mois, activement aux côtés des associations. Et puis, je dis depuis plusieurs mois, mais la réalité, c'est aussi que nous avons une longue tradition d'engagement solidaire sur notre territoire. Et j'espère que celui-ci se poursuivra dans le même esprit de concorde qui a prévalu jusqu'ici. Et chacun, évidemment, dans les responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui. Merci de votre participation à cet échange. Donc, nous prenons note de la présentation de ce rapport à deux voix, même si Nadège Nicolas a été empêchée techniquement de finir son propos. Je poursuis avec la délibération numéro 2, qui cette fois-ci est au rapport de Véronique Billot relatif donc à la reprise de l'activité petite enfance du CCAS par la ville de Nancy et la création d'un service municipal dédié. Véronique. Oui, merci, monsieur le maire. Cette délibération est importante à tout point de vue et elle présente dans leurs objectifs et leurs modalités les principes de la réorganisation que nous souhaitons conduire dans le cadre de l'évolution de nos politiques publiques éducatives. Le Centre communal d'action sociale de la ville de Nancy a jusqu'à présent, vous le savez, en charge d'animer et de coordonner sur le territoire communal la mise en œuvre des politiques sociales pour les familles, leurs enfants, mais aussi pour les personnes âgées ou encore pour nos concitoyens les plus fragiles. Un rapprochement entre la ville et le CCAS est aujourd'hui nécessaire pour accentuer dans notre territoire une logique de politique éducative basée pour les enfants et leurs familles sur un parcours construit dans une vision transversale des besoins tout au long des différents temps de l'enfance, des tout petits jusqu'à la fin de l'adolescence, si tant est que l'adolescence se termine à 18 ans ou autour de là. Un parcours cohérent, donc articulant l'accueil, les accueils, la scolarisation, les temps scolaires, périscolaires, extrascolaires, un parcours s'inscrivant dans la même logique pour toutes les œuvres en matière éducative. Pour ce faire, à compter de la rentrée 2022, la direction des politiques éducatives qui comprend les services éducation et jeunesse intégrera la compétence petite enfance et pilotera ainsi l'ensemble des problématiques des 0 à 18 ans avec la création, à compter du 1er juillet, donc, d'un service municipal dédié
dénommée Service municipal de la petite enfance au sein de la Direction des politiques éducatives. Il s'agira bien sûr encore, et le service de petite enfance et ses agents ont pour cela une longue expérience, de proposer aux familles un accueil de qualité, une offre diversifiée, évolutive, qui respecte leurs besoins et leurs choix, leur nouveau mode de vie, leur nouveau mode de travail au sein de nos structures municipales. Je le rappelle, 3 multi-accueils, 3 crèches collectives, 3 haltes garderies, une crèche familiale, ce qui représente une capacité d'accueil de 640 places, plus un RAM, et, ou encore, par exemple, de permettre des actions d'accompagnement aux fonctions parentales dans nos 2 lieux d'accueil enfants-parents, passerelle et baleine bleue. Cette nouvelle organisation permettra aussi de rendre notre offre plus lisible pour les familles et de simplifier leur démarche. Nous aurons à terme un accueil municipal unique, présentant, proposant les différents modes d'accueil, l'inscription à l'école, les stages sportifs, les loisirs, les accueils pendant l'été ou pendant les vacances. Simplification donc, réponse globale aussi pour une famille, par exemple, avec des enfants de différents âges s'installant à Nancy, ou une famille déjà nancéenne accueillant son premier enfant, ou un nouvel enfant, mais aussi lisibilité meilleure de la continuité de cette offre au fur et à mesure que les enfants vont grandir. Les outils que nous développons actuellement vont également être adaptés. Les solutions d'inscription ou d'information en ligne sont retravaillées. Les guides papier et numérique vont être refondus. Cette nouvelle organisation pourra favoriser également les passerelles entre les structures petite enfance et les écoles maternelles pour les personnels, mais aussi les échanges de pratiques entre eux. La participation à un programme de formation commun pour les agents qui ont en charge les tout-petits à l'école ou à la crèche leur permettra de partager et d'enrichir leurs compétences. Nous l'avons initié d'ailleurs il y a peu avec la médiathèque dans le cadre de Première Page, en réunissant agents de crèche et ATSEM mobilisés pour l'accès des petits à la littérature de jeunesse. Et on sait que les compétences de lecteur, comme la culture littéraire, comme d'ailleurs tous les autres apprentissages, se construisent depuis la toute petite enfance et se construisent bien évidemment dans la durée. Nous allons développer encore ce genre de propositions. Cette nouvelle organisation illustre enfin la continuité et la complémentarité, l'esprit avec lequel nous développons, en lien étroit avec nos partenaires, des politiques publiques éducatives globales en faveur des enfants et des jeunes. Je vous renvoie à des projets, dispositifs ou cadres conventionnels que nous avons déjà abordés dans cette instance, Ville Amie des enfants avec l'UNICEF, Contrat territorial de l'éducation artistique et culturelle avec le rectorat et la DRAC, Convention territoriale globale avec la CAF. Du point de vue de l'organisation opérationnelle, la réalisation de ce transfert implique la mise en œuvre d'un rapprochement entre les services du CCAS et ceux de la ville, avec des effets en termes de ressources humaines. Les agents en petite enfance auront à formuler une demande de mutation volontaire. Les intégrations s'effectueront à effectif constant et sans incidence pour les personnels, avec la garantie de neutralité dans leur situation individuelle, rémunération et cadre de travail. Le pôle petite enfance a d'ores et déjà travaillé avec les responsables des établissements d'accueil du jeune enfant municipaux pour informer et construire la démarche. Cette évolution est connue des agents et il y aura un accompagnement de ces mêmes agents. Ce transfert implique aussi des adaptations que je qualifierais de plus techniques abordées dans la délibération, adaptations en termes de commande publique, de gestion immobilière, informatique, juridique, financière. Ces adaptations se préfigurent actuellement. Elles sont construites conjointement par les services compétents et feront l'objet de délibérations ultérieures et de conventions qui détailleront l'ensemble des modalités de transfert et dont nous aurons à délibérer en juin.
Quelques mots pour rappeler le calendrier indicatif. Donc, cette semaine ou la semaine dernière, le 18 janvier, une rencontre avec les organisations de personnel, cette délibération aujourd'hui. Puis en février, des rencontres avec les agents au sein de chaque structure petite enfance, avec l'appui des services RH. En mars, un courrier du président et de la vice-présidente du CCAS aux agents accompagnés de la demande de mutation et la mise en place d'une permanence physique et ou téléphonique pour répondre à toutes les questions des agents. En avril, pour le retour des demandes de mutation des agents et la présentation au comité technique ville et CCAS. Et puis en juin, le conseil municipal aura délibéré afin d'acter le transfert et ses modalités techniques. L'objectif est bien d'être opérationnel à la rentrée 2022 pour toutes les structures accueillant des enfants petits ou plus grands. En conséquence, et après avis favorable de la commission municipale compétente, il vous est demandé d'approuver le principe de la reprise de l'activité petite enfance du CCAS par la ville, la création à compter du 1er juillet 2022 du service municipal dédié dénommé service municipal de la petite enfance au sein de la direction des politiques publiques, des politiques éducatives, d'acter de l'intégration fonctionnelle au sein des services de la ville de Nancy de ce nouveau service de la petite enfance, d'autoriser la ville de Nancy à se substituer par voie d'avenant si nécessaire au CCAS dans tous les contrats, marchés ou conventions nécessaires à la continuité ou au fonctionnement de l'activité petite enfance, d'approuver le principe et les conditions des cessions à intervenir, d'autoriser la ville à percevoir toute recette liée à la petite enfance et versée au CCAS postérieurement au 30 juin 2022, à l'exception des recettes faisant l'objet d'un report dans le budget du CCAS, d'autoriser l'application par la ville à compter du 1er juillet 2022 des tarifs petite enfance actuellement en vigueur au CCAS et d'autoriser à cet effet Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte, document ou marché se rapportant à la présente affaire. Merci. Je vous remercie. Merci. Le débat est ouvert. Je donne la parole à Valérie Debord. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Une intervention pour notre groupe sur cette délibération, qui n'est pas inintéressante sur le fond, qui appelle un certain nombre de commentaires et de remarques. Déjà, la première, madame Billot, vous avez fort justement indiqué que la politique sociale de la petite enfance était évidemment au cœur des préoccupations des élus, bien évidemment, mais aussi des professionnels. On sait en la matière que la compétence sociale qui est exercée et qui restera exercée par le Centre communal d'action sociale est très importante dans le lien qui relie les enfants en difficulté. Il y en a de nombreux et ces difficultés ne sont pas forcément que de nature financière et l'ensemble des services. Ce lien-là, évidemment, à partir du moment où le service petite enfance est intégré dans le centre communal d'action sociale, il était journalier, quotidien, lié effectivement par des personnes qui étaient ensemble de façon extrêmement récurrente. Demain, on va se retrouver dans un service qui va être noyé, sans y voir de remarques négatives, mais dans un service extrêmement important, puisque bien évidemment, le service de la petite enfance, tout ce qui va tourner autour de ces activités, va être un service extrêmement important en termes de nombre au sein de la ville de Nancy. Comment ce lien tout particulier, important, qui se situe notamment dans les 1000 premiers jours de l'enfant pour pouvoir l'accompagner, pour faire en sorte qu'on soit vraiment dans cette préciosité de cet accompagnement, comment est-ce que vous allez le garantir de façon fonctionnelle? C'est quelque chose qui est important pour nous, mais j'en suis certaine pour vous également. Deuxième point de remarque que nous souhaitons faire aujourd'hui, au-delà du continuum éducatif et de son accompagnement tout particulier, il s'agit évidemment des personnels. Le vote favorable que vous indiquez dans la délibération du CT du 2 juillet portait sur un organigramme cible, comme votre DGS a d'ailleurs répondu aux questions qui ont été portées par les organisations syndicales. C'était un organigramme cible et pas un organigramme consolidé. Donc la mutation, vous avez d'ailleurs indiqué qu'il s'agit d'une mutation volontaire, des 289 agents,
mérite en l'espèce un rapport spécifique en CT et pas un SAP avis sur la saisine d'un organigramme qui aujourd'hui n'est pas consolidé. Vous indiquez qu'il va y avoir consultation, c'est très bien. Comment allez-vous mettre en place cette consultation, cette concertation? Quid également des personnels qui ne souhaiteraient pas demander leur mutation? Comment est-ce que cela va se passer pour eux? Qu'est-ce qu'il va leur être éventuellement proposé en remplacement? Et surtout, dans quelle temporalité? Aujourd'hui, en l'absence de réponse dans la délibération sur l'ensemble de ces éléments, notre groupe s'abstiendra. Je vous remercie. Merci Valérie Debord. J'ai une demande d'intervention de Nadège Nicolas. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, je tenais à prendre la parole en tant que vice-présidente du CCAS de la ville de Nancy. La reprise de l'ensemble des activités du pôle petite enfance du CCAS par la ville va permettre de créer une véritable logique de parcours. Ainsi, l'intégration du parcours éducatif des 0-18 ans au sein d'une même direction traduit notre volonté de mieux structurer notre politique éducative et donne la mesure de notre implication en faveur de l'enfant dès sa naissance et dans tous les temps de sa vie. Cette évolution va simplifier, comme l'a dit Véronique Billot, l'organisation en rendant l'offre éducative plus lisible pour les usagers et pour les agents. La réalisation de ce transfert, comme vous l'avez dit, nécessite la mutation d'agents du pôle petite enfance du CCAS vers la ville, agents que nous accompagnerons individuellement dans leur démarche et qui seront régulièrement informés de l'avancée de la procédure. Il ne s'agit pas d'un démantèlement du CCAS, comme j'ai pu l'entendre ici ou là, au contraire, il s'agit aujourd'hui de conforter celui-ci dans sa mission première et essentielle d'opérateur municipal en charge de l'action et du développement social pour les Nancyens les plus fragiles, adultes ou enfants. D'ailleurs, l'analyse des besoins sociaux qui va être conduite cette année par le pôle accompagnement social du CCAS va permettre d'identifier les problématiques, les points de vigilance et ou d'aggravation et de définir si les aides sociales légales ou facultatives existantes sont adaptées et suffisantes. Le CCAS, ainsi recentré sur ses missions régaliennes, est le meilleur outil de la municipalité pour s'assurer que chaque Nancyen bénéficie des aides auxquelles il a droit et permettra la mise en place d'une politique publique de solidarité forte et cohérente. Merci. Merci. Valérie Debord, vous vouliez réintervenir? Ou c'était la main qui s'était passée? Oui, non, je le souhaitais effectivement, mais très rapidement, merci Monsieur le maire. Bon, je voulais juste dire... il ne fallait pas me répondre avec une intervention qui était déjà préparée, parce qu'en fait, vous ne me répondez pas. Donc, je n'ai pas parlé de démantèlement, je pense avoir été extrêmement mesurée dans mes propos, et que ce n'était pas inintéressant. Par contre, j'aimerais vraiment savoir, et là, vous ne me répondez pas, comment vous allez faire le lien social? Je pense qu'on y est très attaché, ce n'est pas une attaque, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous pourrez, je pense, comprendre pourquoi. Donc, j'aimerais que vous me répondiez sur cette question. Deuxièmement, je n'ai pas parlé de mutation obligatoire, il n'y a pas de sujet là-dessus. J'aimerais aussi que vous nous expliquiez comment vous allez le mettre en place avec l'ensemble des agents. Vous n'êtes pas obligé de me répondre maintenant, on aura d'autres moments, mais comprenez bien que voilà, le sujet est d'importance, le sujet ne doit pas être polémique, mais il est suffisamment d'importance pour qu'on puisse en échanger. Merci. Merci, mais je ne pense pas que l'intervention de Nadège Nicolas avait pour objectif de vous répondre. Et nous allons évidemment, à la fin du débat, apporter les réponses aux différentes questions qui auront été posées. Pas d'inquiétude, pas d'impatience. Marianne Birk, puis Estelle Mercier. Moi, je voulais juste dire en fait que la France. La caméra, Marianne, s'il te plaît. Je l'ai activée. En France, il y a environ 20% de familles pauvres et 17% à peu près dans le Grand Nancy, des familles vivent sous le seuil de pauvreté. Et aujourd'hui, on le sait, la pauvreté engendre un grand nombre d'inégalités et notamment des inégalités éducatives. On sait qu'à 4 ans, un enfant pauvre a entendu 30 millions de mots de moins qu'un enfant issu de milieux favorisés. Ce chiffre paraît incroyable, mais c'est bien 30 millions de mots, le chiffre est bon.
Donc, avant même l'entrée en petite section, un grand nombre d'enfants est déjà touché par des difficultés que l'école peine souvent à résorber et qui, bien sûr, auront des conséquences plus tard sur l'insertion professionnelle et sur la vie globale. Parallèlement à ce constat, on voit bien quand même que nos structures de petite enfance sont encore trop peu conçues comme des lieux éducatifs. Madame Debord, vous parlez du lien avec le social. Ce lien est fait avec le social et avec le sanitaire. Il est fait parce qu'il est essentiel, il le restera bien entendu, mais on voit bien que ce lien est aujourd'hui insuffisant. Puisque les enjeux éducatifs commencent avant l'école, la petite enfance doit être conçu comme un temps à part entière de l'éducation, peut-être même l'un des temps les plus importants. D'ailleurs, les professionnels de la petite enfance sont nombreux à reconnaître l'intérêt d'une telle démarche. Donc, prendre en compte dès le plus jeune âge les inégalités éducatives, concevoir l'enfant dans la ville au sens d'un parcours, on a parlé de continuum éducatif, donc d'un parcours allant de la toute petite enfance à l'entrée dans l'âge adulte en passant par l'enfance et la jeunesse, et faire de notre ville une véritable ville éducatrice porteuse d'un projet global. Voilà tout le sens de cette délibération qui marque, à mon avis, un choix politique fort et un véritable outil au service des politiques éducatives au sens. Merci. J'ai une demande d'intervention d'Estelle Mercier. Oui, bonjour à tous. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je voulais répondre sur la partie ressources humaines qu'a soulevée madame Debord et juste titre. Lorsqu'on fait un transfert de personnel, il faut effectivement l'accompagner. Cela fait depuis quasiment presque un an, je dis, qu'on en parle. On en parle lors des réunions trimestrielles avec les organisations syndicales, qu'elles soient villes ou CCAS. Ça a effectivement, comme vous l'avez souligné, madame Debord, été validé en CT, en comité technique à la fois de la ville et du CCAS le 2 juillet dernier, avec une intention effectivement de transfert. Et depuis, les services sont en travail et la concertation avec les organisations syndicales bat son plein. On en parle très régulièrement. Concrètement, le 18 janvier dernier, il y a eu une réunion, c'est ce qu'a dit Madame Billot dans sa présentation. Lors de cette réunion aux organisations syndicales et aussi aux directrices des crèches, ont été évoquées les modalités de transfert des personnels. Ces transferts se font, comme l'a dit Madame Billot, à effectif constant et avec la garantie de la neutralité de la situation administrative des agents. Donc, concrètement, ça veut dire que si c'est des demandes de mutation simple pour les fonctionnaires, c'est des transferts de contrats pour ceux qui sont contractuels de droit public et de droit privé, ou pour les apprentis, et des avenants aux conventions de stage pour les stagiaires qui sont présents au CCAS. Tout cela est accompagné, Véronique Billot l'a bien rappelé, dans les étapes clés qu'elle a données en termes de calendrier, puisque en février, nous allons rencontrer avec les services RH qui accompagnent ces transferts. On rencontre au sein de chaque structure petite enfance les agents qui sont concernés donc par ce transfert. Et il y aura un retour qui sera fait à partir du mois d'avril dans les différents comités techniques de la ville et du CCAS. Et vous aurez également un certain nombre de délibérations qui vont arriver et qui vont préciser et définir le transfert des contrats, alors c'est plus pour la partie ressources, le transfert de tous les contrats d'assurance, des bâtiments et du pôle ressources global, puisque le transfert des agents, c'est 289 personnes sur les crèches et 15 personnes pardon, pour le pôle ressources qui vont aussi effectivement être mutualisées. Voilà, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais proposer à Véronique Billot de réagir à l'ensemble de la discussion. Oui, si vous me rendez ma caméra. Ça ne saurait tarder. Peut-on activer la caméra de Véronique Billot? Ah, yeah, voilà. C'est bon, merci.
Écoutez, je pense qu'il y a eu quelques réponses, notamment celles concernant la concertation. Donc, je le rappelle, hein, il s'agit d'une première délibération de principe qui sera encore étayée par la concertation qui se tient, qui s'est tenue jusqu'à présent et qui continuera. J'ai parlé des rencontres en février et sera soumise au CT. Il y aura dans ce grand service une DGA qui fera le lien de toutes ces politiques, et c'est important. Je trouve d'ailleurs que dire que cette délibération n'est pas inintéressante est quand même un peu court. Moi, je trouve au contraire que c'est une délibération forte, intéressante et complètement en harmonie avec la façon dont un enfant se construit. Qui ne se construit pas par paliers indépendants les uns des autres, mais bien petit à petit avec une forme de continuité, même s'il y a parfois des ruptures, et surtout sur le temps long. Donc, c'est bien cette dimension de construire sur le temps long que nous voulons aussi impulser dans nos politiques éducatives. Quand vous parlez des politiques sociales ou du lien social en direction des familles, parce qu'il y a deux choses dans ce que vous disiez, Valérie. Le lien social, c'est celui qu'on entretient, et je crois que c'est celui-là qu'on entretient avec les familles dans ces haines. J'ai abordé la façon dont nous allions encore l'améliorer par le biais d'une information renforcée, par le biais d'un accueil unique qui permette une écoute des besoins globaux des familles et des réponses appropriées à l'ensemble des cas présentés. Et puis, les politiques plus sociales en direction des petits et de leurs familles les plus modestes, elles continueront à être assurées par les équipes actuellement au pôle petite enfance. Elles seront complémentaires de celles qui sont assurées également par le pôle éducation. On sait faire aussi au pôle éducation. On sait faire attention aux enfants les plus fragiles. On sait proposer des solutions pour que les enfants aient une scolarité la plus facilitée possible. Il y a des délibérations d'ailleurs un peu plus tard qui illustrent ce que je dis. Je le redis, nous mettons en place un travail intégré de réflexion commune là où il y avait des services différenciés. Et je pense que ce sera au bénéfice général des enfants de notre ville et de leur famille. Et je vous remercie. Merci, merci pour cet échange, merci pour vos contributions. Comme je l'ai dit et comme Véronique Biot l'a rappelé à l'instant, nous sommes devant une délibération qui, sous des apparences techniques, est en réalité une délibération qui représente un choix très important de la municipalité. Le fait de proposer une politique ou des politiques publiques cohérentes aux enfants de 0 à 18 ans, articulées d'ailleurs autour de l'accès à la citoyenneté, l'accès à la culture, l'accès évidemment à la protection et à la prise en charge de la meilleure qualité, mais c'est aussi l'accès à la culture, au sport, aux loisirs, dans un continuum éducatif que tous les spécialistes appellent régulièrement de leur vœu, me semble être une avancée importante. La qualité de notre politique à l'égard des enfants doit devenir un marqueur encore plus puissant. Si nous avons renouvelé, vous le savez, il y a quelques semaines, sous la houlette de Véronique Ernest, notre candidature couronnée de succès au label de Ville Amie des Enfants de l'UNICEF. Nous avons d'ailleurs inscrit ce renouvellement sous le sceau de l'égalité entre les filles et les garçons. Nous sommes soucieux, et je tiens à le souligner, que dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, de renouvellement urbain, dans le cadre des opérations aujourd'hui qui visent à remodeler les quartiers de la ville, eh bien, la petite enfance, l'enfance et l'éducation soient toujours au rendez-vous. À titre d'exemple, je ne peux me satisfaire d'un quartier qui était jusque-là appelé Nancy Grand Cœur, qui voit de nombreuses nouvelles habitations sortir de terre,
sans que soit prévu le moindre équipement, que ce soit pour la petite enfance ou pour l'éducation. Et pire encore, un quartier en plein cœur de ville sort de terre et la seule école publique du quartier est sur les rails d'une fermeture annoncée. Ce que nous ne réaliserons évidemment pas, puisque nous voulons que sur le pôle Didion-Rographe, que dans le centre de Nancy, l'école publique soit présente. C'est un enjeu absolument majeur. Et il en ira de même demain, notamment pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance dans le cadre des quartiers sur lesquels nous sommes actuellement en train de travailler. C'est aussi un enjeu de développement de la ville, et c'est ce sur quoi je voulais conclure cet échange. Et c'est en ça qu'il n'est pas que technique. Car pour que Nancy se renouvelle, Nancy a besoin de reconquérir de nouveaux habitants. Nancy a besoin de se rendre attractive pour les jeunes actifs, pour les familles. Nancy a besoin d'accueillir des familles qui peuvent trouver des services de proximité et de qualité, que ce soit pour les tout-petits ou pour les enfants en âge d'être à l'école. Et donc, c'est bien à l'aune de cet objectif, puisque je vous rappelle que nous perdons des élèves. Nous avons perdu entre 2020 et 2021 187 élèves au sein des écoles de la ville de Nancy. Nous devons donc aujourd'hui à la fois enrayer cette mécanique de diminution du nombre d'élèves. Nous devons donc pour cela faire des politiques jeunesse, des politiques éducatives, un axe fort qui sera de nature à répondre aux besoins des parents, des familles, des futurs parents, des futures familles qui seront toujours et plus encore demain les bienvenus à Nancy. Nous allons passer au vote de cette délibération. Vous devez donc connecter à votre application VoteBox et le scrutin est ouvert. Monsieur le maire, je suis revenu au conseil municipal. J'ai prévenu les services, mais je n'ai pas le droit de voter, me dit l'application. C'est le délai de carence, c'est normal, mais ça va revenir. Je suis dans la même situation, pardon, Thomas Sourin. Et moi j'ai également. J'ai voté pour toi, Antoine. C'est pour sanctionner votre retard. Vous êtes privé de vote pendant deux ou trois délibérations et ensuite vous êtes restauré dans votre pleine et entière citoyenneté. Que je vote pour. Véronique Ernest, je vote pour. Très bien. Donc, il nous reste à conclure le vote. Merci. Donc, abstention du groupe Nancy Positive. Moi aussi, je vote pour et j'ai un souci avec le vote. Chantal Fink. Très bien. Oui, moi également, Bora Yilmaz, je vote pour. Je viens d'arriver de la cathédrale aussi. Alors, donc, il faut sortir Bora Yilmaz des abstentionnistes. J'ai voté pour lui, c'est bon. Non, mais tu t'es abstenu pour lui, Laura. Donc, on va le réintégrer dans les votes favorables. Sinon, pour le reste, ça m'a l'air correct. Donc, abstention du groupe Nancy Positive, vote favorable de la majorité. La délibération est ainsi adoptée. Merci. Nous poursuivons avec l'adhésion de la ville de Nancy à Des Hommes et des Arbres. Je passe la parole à Isabelle Lucas. Merci, monsieur le maire. Voilà. Très bien. Chers collègues, Des Hommes et des Arbres, les Racines de Demain est une association qui porte un projet de territoire sur la place des arbres dans le bien-être des populations. La préservation de l'environnement, la résilience et la prospérité du territoire en résonance avec les attentes sociales et le changement climatique à venir et une valorisation raisonnée des ressources locales. Cette association est issue d'une candidature de 2019 à l'appel à projet territoire d'innovation du programme d'investissement d'avenir pour le compte de quelques 100 acteurs publics et privés du sud de la Lorraine et des Vosges du Nord. La présidence en est assurée par le président du Grand Nancy. C'est une alliance inédite de territoires qui couvre sur 4 départements du Grand Est, avec 1132 communes fortes de plus d'un million d'habitants.
Les actions de cette association sont diverses. La mise en relation des différents acteurs sur le territoire et la labellisation d'actions concrètes et opérationnelles dans différents domaines, comme la connaissance et la valorisation des services rendus par les arbres ainsi que les risques associés, la gestion des écosystèmes arborés urbains, agricoles et forestiers, la valorisation des ressources issues des espaces arborés appliquées notamment au secteur de la construction, des matériaux, de la chimie, de l'énergie, le développement du recours au bois local et au végétal dans l'habitat, l'aménagement, le design, la dépollution, la santé. Par cette association, la ville de Nancy souhaite reconnaître et prendre part à ce projet, des liens existent déjà, et devenir membre soutien avec une représentation. De pouvoir bénéficier du réseau d'acteurs animés par l'association dans les actions portées sur Nancy, appuyer l'image de la ville dans son action vis-à-vis des arbres et de la forêt, en exemple la signature de la Déclaration des droits des arbres, le barème de l'arbre pour l'évaluation financière de la valeur des arbres en ville. À travers son budget participatif, la ville de Nancy mène des actions comme par exemple la création de mini-forêts en hiver, d'autres actions en faveur du patrimoine arboré, avec le festival Embranchement qui mettra à l'honneur l'arbre sous différentes formes et qui se déroulera du 1er au 19 juin 2022. Le montant de l'adhésion est de 525 euros par an et donc il vous est demandé d'autoriser l'adhésion de la ville de Nancy à l'association, d'approuver les statuts de l'association, de procéder à la désignation d'un représentant de la ville de Nancy pour siéger au sein des organes statutaires de l'association, d'autoriser le versement de la cotisation annuelle de 525 euros. Merci. Merci. Isabelle, y a-t-il des demandes d'intervention ? Chloé Blandin. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le maire, chers collègues. Notre groupe Nancy en Grand se réjouit de l'adhésion de la ville de Nancy à l'association des hommes et des arbres, adhésion qui engage durablement la ville dans sa politique forestière arborée. Et plus généralement, dans notre volonté commune de transformation du territoire et de préservation de l'environnement. La diversité des membres de l'association sera une richesse qui nous permettra de nous appuyer sur un réseau solide d'experts. Nous voterons donc bien évidemment favorablement cette délibération qui va dans le sens de l'ambition que nous portons pour la ville de demain. Je vous remercie. Merci. Pas d'autres demandes d'intervention. Je propose donc de passer au scrutin, sachant que c'est Delphine Michel qui représentera donc la ville de Nancy au sein de DHDA. Le scrutin est ouvert. Monsieur le maire Areskis a dit, j'ai du mal à voter avec l'application. Je voterai pour, on votera pour, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me connecter. On va demander au service technique de vous appeler pour régler cela. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Le scrutin est clos. Donc, unanimité avec un NPPV de Delphine Michel. Merci, nous poursuivons Serge Rennery avec la parole. Mathieu ? Oui ? Tu ne pouvais pas te prononcer non plus, toi, comme tu fais partie du COMEX de DHDR. Bien, je vais me reclasser en NPPV. Merci de ta vigilance. Oui, monsieur le maire, Sophie Mailleux. Oui. Oui. J'ai raté le vote en route, là, donc je vote pour moi et pour Olivier Rouillet. Désolé. Monsieur le maire, pareillement pour Patricia Daguerre, désolé. C'est noté, merci. Merci. Serge Rennery pour Classe Olympique. Bon, j'attends qu'on connecte la vidéo. Voilà.
Monsieur le maire, chers collègues, une délibération relativement tranquille, puisqu'elle est dans le prolongement d'une délibération prise l'an dernier qui concerne la participation de la ville de Nancy au dispositif classe olympique porté par le Comité national olympique et sportif français et plus précisément pour notre territoire par le Comité départemental olympique et sportif du département de la Meurthe-et-Moselle. Un objectif majeur pour ce programme qui consiste à sensibiliser les jeunes élèves de nos classes primaires à la pratique de l'activité physique dans sa globalité, qui consiste à sensibiliser ces mêmes jeunes aux valeurs de l'olympisme et à diffuser ces valeurs d'ailleurs, qui consiste également à valoriser les liaisons entre les établissements scolaires, la collectivité et les acteurs du sport du territoire que sont nos clubs. Pour cette année plus particulièrement, 4 classes de cycle 2 et de cycle 3 seront concernées par le dispositif classe olympique, 4 classes de l'école du Placieux auxquelles j'ajouterai, ça ne figure pas dans la délibération, mais j'ajouterai pour votre information, une classe de l'école Moselli qui n'a pas fait la bonne démarche pour adhérer au dispositif, puisqu'elle a adhéré au dispositif qui est mis en place d'un autre côté en parallèle par l'éducation nationale, mais que nous allons intégrer, nous, dans le dispositif classe olympique de la ville, ce qui semble tout à fait normal. Le détail du programme de ce dispositif, vous le trouvez dans la délibération qui vous a été transmise. Pour contribuer à ce programme, la ville participe à hauteur de 3 000 euros par le biais d'une subvention qui est versée au Comité départemental olympique et sportif. Il vous est donc demandé d'approuver la participation de la ville au dispositif, d'approuver le montant et d'autoriser le versement de la subvention de 3 000 euros au Comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle. Merci. Serge, y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons avec une délibération relative à un partenariat avec Wikimedia France. Bertrand Masson. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, il s'agit ici de renouveler une convention que nous avons avec Wikimedia France. De quoi s'agit-il en deux mots ? Il s'agit de rassembler des contributeurs bénévoles les week-ends des 12 et 13 mars prochains. Alors, à distance et aussi dans les salles du Musée des Beaux-Arts, pour les inviter à enrichir les pages Wiki qui concernent cette année, c'est le thème qui a été retenu pour cette année 2022, qui concerne les personnalités féminines lorraines et particulièrement les artistes. Et ce travail d'enrichissement de pages Wikimedia, Wikicommons ou Wikidata se fait grâce à la mise à disposition de nos ressources, que ce soit les ressources de nos musées, de la bibliothèque Stanislas ou des archives municipales. Voilà, c'est un projet intéressant parce qu'il fait écho, par ailleurs, je le mentionne pour conclure, à la volonté du ministère de la Culture et au principe des droits culturels auxquels nous souscrivons de mieux associer les citoyens à la construction des savoirs et aussi à la construction des propositions culturelles. On n'entend plus rien. Je crois qu'on a perdu le maire. Ah. Non, je suis là, pardon. Les interventions, il n'y en a pas. Je propose donc de passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons avec la délibération relative à une convention avec la Banque Kolb et le Musée des Beaux-Arts. Bertrand Masson.
Oui, bah, tout vient d'être dit. Il s'agit d'une convention de mécénat avec la Banque Kolb à hauteur de 10 000 euros qui nous permet d'engager l'organisation d'expositions. La Banque nous soutient sur une exposition chaque année au Musée des Beaux-Arts. Merci. Pas d'observation. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons avec des acquisitions pour le Musée des Beaux-Arts. Bertrand. Oui, bah, comme vous le savez, nous avons une politique d'acquisition d'œuvres particulièrement dynamique, puisque nous avions fait le choix en 2021. Et cela sera reconduit en 2022 d'augmenter substantiellement les acquisitions d'œuvres pour nos musées et particulièrement l'acquisition d'œuvres contemporaines d'artistes d'aujourd'hui. Et donc, nous avons régulièrement tout au long de l'année des délibérations qui prévoient ces acquisitions. Il s'agit ici et cette fois-ci de deux œuvres, une qui est actuellement d'ailleurs exposée au Musée des Beaux-Arts, une œuvre d'Aurélie Pertuso pour 3 000 euros, et puis une autre œuvre qui sera présentée dans la grande exposition 2022 du Musée des Beaux-Arts Architecture impossible, une œuvre de Bertrand Lamarche, une sculpture qui s'appelle Slide House pour 5 400 euros. Ces acquisitions sont, je le précise, éligibles à une subvention du Fonds régional d'acquisition des musées, le FRAM, que nous ne manquerons pas de solliciter. Merci. Pas d'observation, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons avec un contrat de succession dans le cadre de l'association Fantasia. Oui, alors vous vous souvenez peut-être que nous avons commémoré l'an passé Israël Sylvestre à l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance. Nous avions exposé un certain nombre de ses œuvres sous l'arc erré et ensuite sollicité un collectif d'artistes bien connu sur le sud de la Meurthe-et-Moselle, le collectif Moulin-Crou, pour réaliser des œuvres inspirées des œuvres initiales d'Israël Sylvestre. Et bien, cette adaptation contemporaine a beaucoup plu à la ville de Malzéville, qui nous a sollicité pour utiliser une de ses œuvres pour sa carte de vœux 2022. Et donc, il s'agit ici simplement de sous-céder les droits d'utilisation de cette œuvre à la ville de Malzéville pour qu'elle ait pu l'utiliser pour sa carte de vœux. Merci. Pas d'observation. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons Nicole Creusot avec un avenant à la convention avec la Société d'histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain. Oui, merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Depuis 2008, vous le savez, la ville de Nancy et la Société d'histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain sont liées par une convention d'objectifs et de moyens. Ce conventionnement a d'ailleurs permis de nourrir une relation très forte fondée sur des objectifs communs tels que le rayonnement de la Lorraine, de son identité, de son histoire, de son patrimoine, à la fois sur le territoire régional mais aussi national, voire international. Lors du conseil municipal de janvier 2021, nous avons validé un avenant qui prolongeait d'un an la convention qui était arrivée à échéance le 30 décembre 2020, et ceci afin de retravailler la teneur de la convention. Dominique Flon, président pendant 19 ans
de cette Société d'histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain a souhaité, lors de l'AG de juillet 2021, passer la main. C'est donc maintenant Charles d'Arenberg qui est son successeur. Cette évolution à la tête de la Société d'histoire de la Lorraine n'a pas permis de finaliser le travail que nous comptions mener sur la convention. Donc, il vous est proposé de faire un second avenant à cette convention, cet avenant qui irait donc jusqu'au 31 décembre 2022, et donc d'autoriser Monsieur le maire ou ce représentant à signer cet avenant. Et pour l'année 22, la subvention de 50 000 euros, bien évidemment, est maintenue. En 2021, cette subvention avait été portée exceptionnellement à 65 000 euros. Voilà, donc nous revenons au subventionnement habituel. Voilà, Monsieur le maire, je vous remercie. Merci. Y a-t-il des observations ? Non, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons avec Thomas Souffrin, un avenant à une convention avec le CHRU. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, bonjour à tous. Oui, simplement une convention de partenariat à renouveler avec le CHRU, convention qui prévoit deux choses. D'une part, une mise à disposition de locaux afin d'y stocker un certain nombre d'œuvres et notamment les œuvres des fêtes de la Saint-Nicolas, puisque Bertrand Masson l'a rappelé tout à l'heure, hein, il y a une véritable volonté politique de continuer à acquérir des œuvres, y compris pour ces festivités de la Saint-Nicolas, en faisant appel aux artistes locaux. Et puis la deuxième chose, c'est la mise en relation par la ville de Nancy du CHRU avec les artistes locaux. Et là, ça s'est traduit concrètement cet été par la création d'une fresque, par exemple, de Franck Volo sur le mur de l'hôpital central. Voilà, donc il vous est demandé donc, de renouveler cette convention pour un an. Merci. Des observations ? S'il n'y en a pas, le scrutin est ouvert. Je vote pour, je ne réussis pas à voter. C'est sans papier. Merci. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons Véronique Billot avec une subvention pour des classes découvertes. Oui, comme chaque année, la ville travaille avec les écoles pour leur proposer d'organiser des classes de découverte pour les enfants de CM2. Il y a 758 enfants en CM2 cette année. Elles peuvent soit opter pour un séjour clé en main proposé par la ville en lien avec un organisateur, soit organiser elles-mêmes un séjour pour lequel la ville verse une subvention de 262 euros par élève à la coopérative de l'école. Enfin, les écoles qui ne souhaitent pas partir en séjour pourront s'orienter vers une sortie à la journée. L'objet de cette délibération est d'approuver le montant et le versement d'une subvention d'un montant estimé à 31 440 euros aux coopératives des trois écoles Boudonville, qui va emmener ses CM2, au lac du Der, 37 enfants de CM2, à l'école élémentaire La Fontaine, qui va emmener ses 40 élèves de CM2 pour un séjour sur l'astronomie au centre La Combelle à Pexon, et l'école Marcel Leroy qui va emmener 43 élèves de CM2 à Courcelles-sur-Augon pour un séjour art du cirque. Voilà trois écoles qui ont donc choisi d'organiser elles-mêmes leur séjour et que nous allons aider, si vous le voulez bien,
à hauteur de 31 440 euros. Merci. Y a-t-il des observations ? Non, donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons avec les activités périscolaires et une convention avec Bazin. Oui, à cause des difficultés liées à la crise sanitaire, nous avons, vous le savez, suspendu les activités périscolaires pendant une partie de l'année scolaire dernière. Mais nous avons choisi d'en organiser pour cette année scolaire une version adaptée au protocole sanitaire en vigueur sous forme d'une activité par semaine et par enfant en multipliant les espaces d'accueil et en organisant les groupes sans brassage des élèves de différentes classes dans le respect des gestes barrières. Ainsi, concernant notre convention avec la MJC Bazin pour l'organisation d'une activité poterie à l'école élémentaire Saint-Georges, et pour répondre à la demande enthousiaste des élèves, nous devons organiser des créneaux supplémentaires pour cette activité. C'est pourquoi nous vous proposons d'approuver un avenant à la convention avec la MJC et une revalorisation de la subvention qui va passer de 1 050 euros à 2 268 euros. Merci. Pas d'observation. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons Serge Rennery avec une convention entre la ville et le CCAS pour les activités physiques seniors. J'avais une délibération pour la caisse concernant une subvention à la caisse des écoles. Ah, et c'était la délibération numéro 12. Pardon, je l'ai enjambée malencontreusement. Et nous avons donc voté pour la délibération numéro 13. Oui, tout à fait. Oui. On revient à la 12, excusez-moi. On y va, Véronique. D'accord. La Caisse des écoles de Nancy, nous avons déjà parlé de son travail. Elle conduit essentiellement trois missions principales. Une mission sociale, d'abord, pour favoriser la scolarité dans des conditions matérielles correctes pour les enfants des familles les plus modestes. Et voilà qui illustre, si cela était nécessaire, la capacité du pôle éducation à s'engager auprès des familles les plus fragiles. Hein, nous en parlions tout à l'heure. Donc, il s'agit essentiellement d'achat de fournitures de bons d'achat de vêtements, de produits d'hygiène, de distribution de collations dans les quartiers prioritaires, en plus des petits déjeuners financés par l'éducation nationale. Et 31 000 euros sur les 75 000 euros, de subventions de la ville seront affectés à ces actions sociales. La Caisse des écoles porte également le DRE, dispositif de réussite éducative, qui vise à proposer des parcours de réussite individualisés aux enfants et aux jeunes. Il y en a 250 qui sont pris en charge, qui cumulent des difficultés d'ordre scolaire, d'ordre éducatif, social ou sanitaire. En complément des financements de l'État, 41 000 euros sur les 75 000 euros de la subvention versée par la ville seront affectés au DRE, avec notamment deux nouvelles actions, la création d'un nouveau poste de référente famille, plus particulièrement en charge des problématiques pour les adolescents, des adolescents, et l'ouverture d'un espace d'accompagnement scolaire dans rue de Tomblaine, où peu d'actions étaient mises en place jusqu'à présent.
Enfin, la Caisse des écoles assure la coordination opérationnelle du dispositif Cité éducative du plateau de Haye, qui vise à renforcer à l'échelle de ce territoire la mobilisation de tous les acteurs pour faire mieux réussir les élèves, les enfants et les jeunes qui y vivent. 3 000 euros issus de la subvention versée par la ville permettront de participer au financement du poste de coordonnateur de la cité. Il vous est demandé d'approuver et autoriser le versement d'une subvention de 75 000 euros à la Caisse des écoles de la ville de Nancy. Merci. Des questions, des observations ? Non, s'il n'y en a pas, je vous propose donc d'ouvrir le scrutin, donc en revenant à la délibération 12 pour le vote. Le scrutin est clos. Quand elle finit, je vote pour. Ok, c'est noté. Le scrutin est clos avec un NPPV de Véronique Billot. Unanimité, merci. Donc là, on passe à la 14, donc Serge Rennery. Monsieur le maire, chers collègues, une délibération relativement facile à adopter. Elle part du principe et elle reconduit la convention qui lie la ville avec le Centre communal d'action sociale, en particulier, et en particulier son pôle senior, avec lequel nous travaillons de longue date, et en particulier depuis 2016, sur des projets autour du bien vieillir, en mettant à disposition du CCAS des éducateurs sportifs qui interviennent, qui sont mobilisés et qui interviennent, en particulier sur la résidence autonome Chevardet, sur des activités d'entretien de la forme physique et sur des activités de marche nordique. Il vous est donc tout simplement demandé ce soir d'accepter de reconduire ce partenariat conclu à titre gracieux qui prendra effet à compter du 20 septembre 2021 et prendra fin le 30 septembre 2022. Il vous est donc demandé d'approuver les termes de la convention de ce partenariat, relatif à l'organisation des activités physiques et sportives pour les seniors et d'autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention. Merci. Merci. Des observations ? Non, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Isabelle Lucas, note de conjoncture pour la ZAC Austrasie. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, vous trouverez dans cette délibération et ses annexes le bilan de clôture de la ZAC Stanislas Meurthe pour 2020 ainsi que la note de conjoncture de la ZAC d'Austrasie. Ce bilan et cette note de conjoncture ont été approuvés par délibération au Conseil métropolitain du 28 novembre dernier. Il s'agit du secteur de l'ancien faubourg industriel de Nancy entre Meurthe et Canal, identifié comme secteur en jeu il y a plus de 30 ans et où chacune et chacun aujourd'hui peut mesurer les choix qui ont été faits et la qualité retenue des opérations qui ont été menées tout au long de ces années. Je ne reviendrai pas sur le détail de toutes ces opérations, vous les trouverez donc dans les annexes jointes dans la présente délibération. Sur ce secteur, nous avons deux ZAC. Concernant la ZAC Stanislas Meurthe, qui couvre un périmètre d'un peu plus de 20 hectares, la commercialisation en est achevée et Solorem a réalisé les dernières opérations préalables à la clôture de la concession. Concernant la ZAC d'Austrasie, d'un périmètre d'environ 18 hectares, beaucoup de programmes ont été validés dans les années antérieures et des chantiers sont en cours ou en phase de démarrage ou de finalisation. À noter toutefois
que l'urbanisation des dernières parcelles constructibles sur cette ZAC feront l'objet d'un nouveau schéma directeur et d'une relecture en termes de programmation et de forme urbaine. Donc, il vous est demandé de prendre acte du bilan de clôture de la ZAC Stanislas Meurth au 15 octobre 2021, de prendre acte de la note de conjoncture de la ZAC d'Austrasie et du bilan prévisionnel actualisé au 31 décembre 2020, d'autoriser les transferts de propriétés sans soute au profit de la ville de la Métropole et du Grand Nancy, tel que décrit dans le tableau en annexe, d'autoriser la rétrocession à titre gratuit entre la Solorem et la ville de Nancy et d'autoriser le maire ou son représentant à signer des actes authentiques à intervenir ou tout document utile à cette affaire. Merci. Merci. Y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. Le scrutin est ouvert. Chantal Fink, je vote pour. Merci, c'est noté. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons avec le sixième PIG sur Agissez pour votre logement. Isabelle Lucas. Tout à fait, programme d'intérêt général. Donc, Agissez pour votre logement, qui est un dispositif donc en faveur de la requalification du parc privé. Il s'inscrit donc dans le sixième programme local de l'habitat durable. Et ce programme porte les priorités de la ville sur la lutte contre la précarité énergétique, le développement durable, l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la lutte contre la vacance et l'habitat indigne et très dégradé. Donc, pour inciter les ménages à réaliser des travaux de rénovation, de nouveaux critères d'attribution ont été décidés. Ces nouveaux critères qui permettent d'attribuer des primes, éco-primes, primes d'adaptation, des critères aussi d'incitation également auprès des propriétaires bailleurs et des copropriétaires occupants. Donc, vous trouverez dans la délibération le montant de 20 éco-primes aux propriétaires occupants, de 11 primes d'autonomie, de 3 primes à des propriétaires bailleurs. Et donc, il vous est demandé d'approuver les termes des annexes de la présente délibération, d'approuver le montant et d'autoriser le versement des subventions pour ces opérations selon la répartition proposée dans cette délibération et pour un montant total de 23 371 38,38 euros. Merci. Merci. Y a-t-il des observations, des questions ? Je n'en vois pas. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité. Merci. Nous poursuivons avec des primes de ravalement. Oui, nous sommes donc dans l'attribution des primes de ravalement dans le cadre de la campagne de ravalement Nancy Ville Claire et Végétale, dispositif de la ville de Nancy qui fait appel à la société anonyme publique locale Grand Nancy Habitat et qui permet d'octroyer des primes de ravalement à hauteur de 10% du montant des travaux ou 5,34 euros par mètre carré au plus favorable par le propriétaire. Donc, dans cette délibération, vous voyez diverses primes en matière de primes de ravalement pour un montant de 8 842 euros et en matière d'attribution de subventions exceptionnelles au ravalement, un montant de 2 133 euros. Donc, il vous est demandé d'approuver le montant de ces primes et d'en autoriser le versement pour un montant total de 10 975 euros. Merci. Merci. Pas d'observation. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Unanimité, merci. Nous poursuivons avec une convention entre l'OMH, la métropole, la ville pour Aussonville. Pardon. Oui, pour l'entretien des espaces verts sur le quartier d'Aussonville et afin d'harmoniser les interventions sur l'ensemble des espaces extérieurs d'Aussonville. Donc, il est prévu de faire appel aux équipes de chantier d'insertion espaces verts de la ville sur les propriétés de l'OMH du Grand Nancy et de la ville de Nancy. Cette démarche contribue donc à la montée en compétences des salariés en insertion par la réalisation de diverses prestations. Et le montant annuel de cette participation de l'OMH s'élève à 5 000 euros pour un entretien des espaces verts pour une surface d'environ 1 700 m². Et la présente convention prendra effet au 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2024. Et donc, il vous est demandé d'approuver la mise en place de cette action et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention afférente. Merci. Merci. Pas d'observation. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous passons, Charlotte Marel, au reversement du produit des forfaits post-stationnement. Bonsoir tout le monde. Merci, monsieur le maire. Alors là, ça n'est rien d'extraordinaire. Hein, c'est juste l'obligation réglementaire concernant le FPS. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore entendu parler du FPS, c'est le forfait post-stationnement, qui doit être reversé à l'EPCI, en l'occurrence au Grand Nancy. Donc cette délibération, tout simplement, formalise le reversement à la métropole. Pour rappel, la loi indique que les recettes issues de ce fameux FPS est reversée en intégralité à l'EPCI, déduction faite des coûts liés à la mise en œuvre des FPS. Pour information, au titre de l'année 2020, et conformément à la convention donc ci-jointe, le reversement du produit des FPS à la métropole par la ville de Nancy s'établit à 180 900 euros. Et du coup, je fais juste une toute petite précision concernant les recettes issues du forfait post-stationnement. Ces recettes seront affectées au financement des opérations en lien avec les mobilités durables, comme par exemple les modes actifs ou encore les transports en commun. Il vous est donc demandé d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention 2021 concernant le reversement du produit des forfaits de postes stationnement entre la ville et la métropole. Je vous remercie. Merci. N'y a-t-il des observations, des questions? Il n'y en a pas. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. J'ai voté pour hein, et pour Chloé Blandin aussi, mais visiblement, ça n'a pas été pris en compte. OK, c'est enregistré. Merci. Unanimité. Nous poursuivons, Estelle Mercier, avec une subvention d'équipement à la CGT. Oui, chers collègues, dans le cadre de l'installation annoncée du siège du comité régional CGT Grand Est, l'Union départementale CGT a sollicité en 2019 pour obtenir un accompagnement financier une aide de la ville de Nancy concernant la réalisation de travaux dans l'immeuble dont elle est propriétaire. Le conseil municipal en 2019 avait donc déjà accordé une première subvention de 20 000 euros. Aujourd'hui, l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle sollicite à nouveau la ville pour poursuivre son programme d'investissement prévu en 3 tranches et sollicite un montant de 21 772,60 € pour la ville de Nancy. Afin d'accompagner l'UDCGT, il vous est proposé de répondre favorablement à cette seconde demande, mais pour un montant de 20 000 euros. Donc, il vous est demandé d'approuver le montant, d'autoriser le versement de la subvention
et d'autoriser le maire à signer la convention de subventionnement avec l'UDI-CGT. Merci. Merci. Y a-t-il des observations ? Je n'en vois pas. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons avec la mise à jour du tableau des effectifs. Moi, j'avais la mise à disposition d'un agent métropolitain, monsieur le maire, mais peut-être que... Non, pardon. Donc, la mise à jour du tableau des effectifs, pardon. Donc, le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts, budgétairement pourvus ou non, classés par filière. Donc, nous le voyons régulièrement en conseil municipal. Sur ce tableau-là, mis à jour, nous avons supprimé les 15 postes qui concernent la mission rayonnement, puisque les agents ont été transférés à la métropole. Merci. Des observations ? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. La mise à disposition d'un agent métropolitain. Après, il s'agit de mettre partiellement à disposition, à hauteur de 30%, un fonctionnaire titulaire auprès de la ville de Nancy pour exercer les fonctions de responsable des affaires juridiques au sein de la direction des affaires juridiques, commandes publiques et assemblées à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d'un an. Merci. Pas d'observation. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité. Merci. Chantal Fink pour le leg de Madame Manson. Bonsoir, monsieur le maire, chers collègues. Pourquoi refuser ce legs ? Madame Monson habitait 286 rue Jeanne d'Arc et elle est décédée le 28 avril 2021 à Nancy. L'office notarial Stanislas a informé notre commune que Madame Monson a rédigé un testament rendant la ville de Nancy légataire universelle de son patrimoine sous réserve d'assurer l'entretien de sa concession à durée perpétuelle, située au cimetière du Sud. De quoi se composait ce legs ? Tout d'abord, d'un appartement d'une valeur d'environ 100 000 euros, de différents livrets d'épargne d'un montant total de 208 815 euros et d'un compte courant avec 6 827 euros. La part de la succession serait revenu à la ville est estimé à 152 581 euros, qui correspond à la moitié du montant total de la succession. Pourquoi la moitié ? Parce que l'office notarial nous a informé de l'existence de 5 petits-enfants qui sont les héritiers réservataires. À ce jour, nous ignorons quels seront les frais concernant l'appartement jusqu'à sa vente. Nous ignorons également quels seront les frais de notaire. Donc, nous ignorons ce qui reviendrait à la ville de Nancy. Mais le facteur déclenchant de notre décision est le courrier que nous a fait parvenir Madame Nadine Lirans, petite-fille de la défunte, au nom des 5 petits-enfants. Elle expose son histoire familiale particulière et nous demande à ce que la commune refuse ce legs. Sensible aux arguments exposés par les petits-enfants de la défunte, il vous est demandé de refuser le legs de Madame Manson. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des demandes d'observation, des questions ? Je propose de passer au vote. Le scrutin est ouvert.
Je vote bien sûr pour, mais j'en suis empêchée. C'est noté, le scrutin est clos. Unanimité, merci Ousmane Sam pour dans le cadre du marché public d'exploitation du chauffage et de la climatisation, un groupement de commandes. Et bonjour, bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Les deux délibérations que je vais rapporter sont complémentaires. Ce premier rapport propose juste un groupement de commandes avec le CCAS et la ville. Donc, il s'agit d'un marché P1, P2, P3. Donc, vous commencez à être habitué. C'est un marché d'exploitation de fluides, maintenance, garantie et fourniture de fluides. Donc, ce marché a été conclu en 2018. Il arrive à échéance cette année. Nous vous proposons de le renouveler en intégrant les bâtiments du CCAS, les logements et associations, ainsi que les édifices cultuels. Donc, ce marché comprendra uniquement la gestion du gaz ainsi que le chauffage urbain, toujours dans ces dimensions P1, P2 et P3, la gestion des autres fluides comme l'eau, le fuel, sera, elle, assurée par les services. Dans ce cadre, il vous est demandé de valider le fonctionnement du dit groupement de commandes et d'en autoriser l'adhésion, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention de groupement de commandes et les éventuelles modifications, d'autoriser le coordonnateur du groupement à lancer une consultation en vue de la passation des marchés publics, enfin de donner mandat au représentant légal du coordonnateur pour la signature des marchés publics pour le compte des deux alliés. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des observations? Si ce n'est pas le cas, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons avec un lancement de marché public pour le chauffage et la climatisation, un appel d'offres. Bien, comme je vous le disais à l'instant, un premier marché a été conclu donc en 2018 et arrive à échéance cette année. Il est proposé de le renouveler en prenant en compte le retour d'expérience de la ville et en intégrant les bâtiments du CCAS, les logements, associations et édifices cultuels. Les prestations concernent toujours la gestion du gaz et du chauffage urbain de type P1, P2, P3. Un des objectifs majeurs reste l'économie d'énergie. Et au-delà de la préservation de notre planète et de ses ressources, d'un point de vue budgétaire, nous devons juguler les hausses records annoncé à la fois du prix du gaz, plus 90%, et de l'électricité, plus 60%, à l'horizon 2050. C'est pour cela, toujours dans le souci de réaliser des économies d'échelle, que nous avons proposé de constituer un groupement de commandes entre la ville et le CCAS. Ce marché revêt une importance capitale, je viens de le dire. De bonnes performances énergétiques seront nécessaires non seulement pour satisfaire aux exigences légales, mais pour rester maître de nos dépenses. Et plus important encore, rester cohérent avec le programme pour lequel les Nancéennes et les Nancéens ont voté. Pour ce faire, le levier identifié est la mise en place d'une bonne politique de travaux en faveur de la performance énergétique associée à une maintenance et une exploitation exemplaire. En la matière, la ville a acquis une bonne expérience et s'y appuie de façon large pour préparer ce marché. Rappelons tout de même cette méconnaissance flagrante des installations et des bâtiments de la ville qui a conduit en partie Dalkia, le possesseur du marché initial, à contractualiser avec la ville sur un pourcentage d'économie d'énergie qui n'a jamais été au rendez-vous. Dalkia a de façon nette été trop ambitieuse en proposant un peu moins de 18% de gains énergétiques,
mais estimant, là encore, la grande expertise des agents de la ville qui avaient déjà avancé dans le domaine des économies d'énergie. Rappelons une mise à disposition de ressources humaines insignifiantes, ne tenant toujours pas compte de l'expertise municipale. Rappelons l'enregistrement de température contractuelle des locaux en baisse par rapport au travail antérieur effectué en régie, qu'il faut là encore saluer. Rappelons des formules de répartition aux économies et aux surconsommations disharmonieuses. Rappelons enfin des pénalités pour non-respect du cahier des charges inapplicable. Ce bilan plaide naturellement pour un retour à la gestion interne. Malheureusement, le marché de l'emploi de ce secteur est très compliqué et fermé. Nos cinq entreprises nationales ont elles-mêmes des difficultés à embaucher des techniciens compétents et polyvalents, bien qu'elles proposent des salaires entre 2000 et 2300 euros bruts, salaires bien plus élevés que la rémunération des agents techniques municipaux. Il paraît donc compliqué de remonter un service chauffage en interne. Néanmoins, faisant le constat objectif que ce marché est adapté aux besoins de la ville et en nous prévalant de notre expérience du marché des années écoulées, nous avons proposé de le renouveler. Nous avons une bonne expérience de son fonctionnement et nous savons que les leviers sont les travaux de performance énergétique, travaux d'isolation, changement des menuiseries, changement des équipements, climatisation, ventilation, chauffage, etc. Mais aussi la sensibilisation des usagers, sans oublier une maintenance et une exploitation exemplaire. Entre autres, il sera attendu dans le marché 2022-2027 une augmentation des températures dans les écoles, des bâtiments petite enfance, un délai d'intervention réduit à une heure pour ces mêmes bâtiments, une modification de la clause d'intéressement et de la répartition aux économies d'énergie, une modification du montant des pénalités jusque-là peu récupérables. D'ores et déjà, la confiance a été pleinement renouvelée au service à travers une gestion unifiée du P1, du P2 et du P3, gage d'efficacité et de cohérence. Je ne saurais donc terminer sans louer à nouveau l'investissement exceptionnel des services. Il est demandé d'autoriser le lancement d'une consultation, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer le marché, les marchés subséquents et documents afférents. Je vous remercie. Merci, M. Sambe. Y a-t-il des observations ou des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Nous pouvons donc passer au scrutin. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous terminons par la désignation du représentant de la ville de Nancy au sein de la Fondation ID+ Lorraine et je vous propose de désigner notre collègue Arnaud Bernez pour nous y représenter. Si ça n'appelle pas de commentaires de votre part, je vous propose donc de voter. Le scrutin est ouvert. Merci, le scrutin est clos. Unanimité donc avec une abstention de Arnaud Bernez. Voilà, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'ordre du jour de notre conseil municipal. Je vous remercie d'y avoir pris part et je salue celles et ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Nous nous retrouverons le 21 février et donc je vous le confirmerai d'ici là, mais je l'espère en présentiel dans les grands salons de l'hôtel de ville. Prenez bien soin de vous d'ici là et à bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.
Bonsoir.